Bonjour, chères mesdames, chers messieurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre « La fiancée de Pompéi ». C'est un livre de Annie Jay qui contient 217 pages. Résumé du livre. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle... Lolia, et qu'on veut marier avec un jeune homme qu'elle aime pas, qu'elle connaît même pas. Mais elle va se battre et ce mariage va être annulé. Et c'est plein d'aventures, également plein d'amour, parce qu'au lieu de se marier avec l'aîné, bah, elle va se marier avec le cadet. Donc c'est un peu idiot. J'ai beaucoup aimé ce livre, car il y a de l'aventure, c'est-à-dire qu'il y a le Vésuve qui explose puisqu'on est à Pompéi. Le Vésuve, c'était un énorme volcan à l'époque et on croyait que c'était les dieux qui le faisaient éclater. Enfin, plutôt que c'était Vulcain, parce que Vulcain, c'est le dieu de la forge et du feu. Et il y a aussi de l'amour. L'amour, c'est entre la personne qui est riche, donc celui qu'on veut marier à Lolia, et il y a Caeso qui devait être son fiancé mais qui ne l'est pas. Et à la place de tomber amoureuse de Caeso, elle va tomber amoureuse de... Voilà. Merci d'écouter ma chaîne et s'il vous plaît, abonnez-vous.